dernière ou l'avant-dernière journée, eh bien, qui était en recherche de points. C'est pas facile. Oh, attention, et l'ouverture du score. Voilà, on parle, mais pendant ce temps-là, ça joue du côté de Tours avec l'ouverture du score. Elle est signée du numéro 7, Romain Bayard. Très bien servi. Et Romain Bayard, après 6 minutes de jeu à peine, eh bien, qui vient ouvrir le score ici du côté de Cholet. Avec Makital qui lance dans la profondeur pour Benny Nkololo. Attention, lui, il a le sens du but. Nkololo, attention, Théo Guibarch qui relâche le ballon. Heureusement pour les Choletais derrière. Ouais, c'est Nkololo du pied gauche. Et cadré sur le poteau de Théo Guibarch. C'était rudement bien frappé. Et la campagne de préparation pour Cholet cet été. 5 matchs disputés. Oh, la belle frappe, très belle frappe de Ouédraogo. Effectivement, c'était cadré directement dans les bras de Elana. La mi-temps ici à Cholet. On trouve dans l'intervalle Ouédraogo. Enzo Real toujours qui va pouvoir accélérer. Enzo Real avec Abdeljelil à l'entrée de la surface de réparation. Obligé de reculer un petit peu pour se mettre sur son pied gauche. Elle est belle, cette frappe, elle passe au-dessus des cages de Steve Elana. Le prochain adversaire de Tours au stade de la Vallée du Cher la semaine prochaine. Et attention justement, les Tourangeaux à la manœuvre avec ce ballon aux abords de la surface de réparation. La belle frappe en pivot de Romain Bayard. Il va être frappé de la droite vers la gauche, mais rapidement à la rémoise avec Enzo Real là, qui remet du gauche. Oh, la superbe, la superbe parade là de Elana sur cette reprise de la tête. Oh, quelle est magnifique cette parade.